Allez, salut à tous, c'est MoiFamily130 et bienvenue pour cette 12e session de Diaz 2 Code 5 Skyrim. La dernière session, on s'avait laissé, on avait buté enfin ce saloperie de Jarl Ulfric. Et cette fois-ci, on se retrouve pour, je pense, continuer la quête principale. Et pourquoi j'ai fait mot par mot? Aucune idée. Non, dans cette session, plus sérieusement les gens, on va s'intéresser à la quête principale un tout petit peu. Au moins une ou deux missions de la quête principale. On va essayer d'aussi retrouver des mots de dragon. Ça, j'ai remarqué que j'en avais pas tellement. Je vais augmenter un petit peu mon niveau d'enchantement. En fait, je vais faire plein de trucs. Forgeage aussi. Parce que, les gens, j'ai encore craqué psychologiquement. J'ai téléchargé encore 5 millions de mods. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté, c'est un mode. Le mode ENB Series, qui ressemble avec le jeu Witcher 2, qui est un côté très sombre. J'espère que ça donnera bien. Regardez, ça c'est avec le mode, sans les modes. J'espère que ça donnera bien, franchement. On verra bien à ce moment-là. Et je vais vous montrer, c'est ici, la forge. Et je vais vous montrer tout les trucs que j'ai, si je les retrouve tous, des boucliers à pic, un bateau de combat en bois, j'ai pris aussi des nouvelles armes aussi, si je vous les retrouve. Attendez, on va vous montrer le tanteau de fer, le wakashi de fer. C'est surtout pas en fer que j'ai, c'est en acier surtout que j'ai. Surtout une qui va faire référence à certaines personnes niveau fait là. Il va installer ça et ça va être mon armure. Ah oui, l'armure de Nifgar, de Sakia et les bottes du roi Lynch. Vous voyez cette armure? Ça sera la mienne. Ça, je vais installer tout plein de boucliers aussi. Je les montre rapidement. J'ai installé ça tout plein en double, en lourd et en léger. Regardez, armure légère et armure lourde. À chaque fois différent. Je pense que je vais en mettre un à Carjo. Je sais pas encore lequel. Car je vais enfin se battre avec une arme à une main, je pense. Mais je réfléchis encore si je lui mets ou pas. Je vous montre rapidement toutes les boucliers qu'il peut avoir. Et surtout le bouclier du roi Lich. Moi je pense que je vais pas le prendre. Moi je vais prendre c'est l'armure du roi Lich, ah oui, dans tous les cas. Mais sinon le reste non. Les cimetières d'argent poli, parce qu'ils sont. Ils sont peut-être au cimetière, mais ils sont polis. Et la cuirasse du roi Lich. Il y a aussi la cuirasse avec la cape. Je réfléchis encore si je vais mettre la cape ou pas. Je ne pense pas, je préfère mon habit normal. Il y a certains actes qu'on ne sait pas voir comme ça. Je pense qu'en les en les forgeant franchement on les verra. Mais là malheureusement on ne sait pas les voir. Certaines armes que si. Genre ici des armes totalement pétées. Niveau puissance, je trouve pas qu'elles sont si énormes que ça. Comparé par exemple à des armes d'Edra ou quoi. Le niveau est équivalent pour certaines armes. Comme l'armure du roi Lynch, je pense qu'elle équivaut à une armure de d'Edra, soit être sûr. Soit être sûr, hein, mais un truc du genre. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon ce serait extrêmement long. Mais ici, je vais me faire. Là, je vais me faire une petite armure à Carjo et à moi avec tous les composants que j'ai. Et après, je vous reprends. A tout de suite. Allez, voilà, je vous reprends. Et d'abord, je vous montre c'est le petit Carjo qui a pour le moment, je dis bien pour le moment, récupéré ma petite armure. Et moi, bam, la cuirasse du roi Lynch, les bottes du roi Lynch, les gantelets du roi Lynch, et surtout, givre d'œil. Ça, c'est totalement métal. Je vais vous montrer c'est les stats maintenant, qui sont pas si extraordinaires que ça, comme on pourrait croire. Givre d'œil 77, il y a beaucoup d'armes d'Edra qui peuvent être beaucoup plus puissantes que ça, et j'irai jamais au-dessus. Et dans la tenue, tout est en légendaire, les bottes du roi Lynch 41. Je trouve pas que c'est si énorme que ça, c'est surtout le skill que 98. Il y a des armures qui peuvent être beaucoup plus puissantes que ça. L'armure démonite là était pas si différente que ça. Toi t'es sur. Est-ce que t'as des trucs sur toi? Parce que pour l'instant je vais me débarrasser d'elle. Oui. Donne-moi tout ça déjà. Je vais récupérer tout ça. Oh, t'aurais pu les garder en fait. Non, en fait je vais te donner toutes mes affaires qui me servent à rien en fait. Et après toi tu vas retourner, c'est à la maison.
Donc, tenue. Tenue, tenue, tenue. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je les gardais, au fait. Non. Déjà, toi. Après, après. On va retourner jusqu'à la maison. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Ça va être vraiment spécial. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ma maison de 12 brises. Qui est pas beaucoup éclairée. Ouais, c'est pas beaucoup éclairé. Et ici, regardez. Une petite cave. Une petite cave que j'ai installée avec un mod. Sur... que j'ai trouvé, attendez. Je pense que c'est... C'est pas sur Skyrim Nexus que je l'ai pris, celui-là. Celui-là, je pense que je l'ai trouvé sur la confrérie des traducteurs. Il y a plusieurs mobs que vous allez voir qui sont installés depuis la confrérie des traducteurs. Mais celle-ci, ici, ça va pas être ma truc définitif. Ma truc définitif, je vais vous montrer. Avec, bien sûr, ici, la petite torche. La petite truc de Ulfric qui est là. Son petit manteau, son petit pantalon, tout ce que vous voulez. Et non, je voulais pas aller directement à l'hôtel d'enchantement. C'est parce que, comme je vous ai dit, on va faire pas de l'enchantement, mais du désenchantement. Comment ça? Non, pas l'étagère. C'est déjà une spirituelle. Je vais récupérer toutes mes armes. Je vais être encore super lourd. Mais c'est pas grave, puisqu'on va tout désenchanter. Tout ce que vous verrez, désenchanter. Bam. On va faire du désenchantement à fond la caisse. Et on va voir notre level jusqu'au combien qui va partir. Voilà, l'âme de la souffrance. Oui, si tu veux. On va être bientôt level 23. Ce qui est déjà pas mal. De mûrie. Le crochetage. Hop, déjà level 23. Bientôt level 24. Ça va faire plaisir. Tout ça, il fallait que j'aurais dû faire bien avant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. En tout cas, maintenant c'est fait. C'est le principal. Là, j'en ai encore. Non, si, oui. Et c'est tout. Jusqu'au level 29. On a gagné 4 levels. Ce qui est déjà pas mal, on peut dire. C'est déjà pas mal, c'est pas mal. Ah non, plus 33. Ah, tous ceux-là, je peux pas les prendre. Alors, on va les ranger alors. Tout ça, on va les ranger. Ça me sert strictement à rien sur moi. Ça me fait plus lourd qu'autre chose. La Master Ball Bag. Ça, l'épée de verre. Et voilà. Maintenant on peut courir, c'est ça? On peut courir. Ok. Et je vais vous montrer maintenant. Oui, bien sûr, il n'y a que moi qui peux aller ici. Ça, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la pièce est trop compacte et donc trop petit pour qu'ils savent rentrer. Et donc, on va aller voir une toute nouvelle maison que j'ai pu avoir grâce encore à un mod. Ça va être l'explication du mode au tout début de cette session, hein, j'aimais vous le dire. Donc, si ça vous plaît pas, passez les épisodes. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est pas mal de le voir quand même. Le manoir de l'enfandreur. C'est ici que je vais m'installer. Il y en aura des différentes, ça je vous le montrerai au fur et à mesure. Je vais pas vous montrer tout directement. Sinon, bah, il y aura jamais d'action au final. Et on sera planqué avoir du décor tout le long. Décor. C'est beau, c'est art déco, mais faut quand même on va faire notre Valérie d'Amido un petit peu en montrant ici j'aurais pu placer ça, c'est ça, mais il faut quand même un peu d'action au final. Et c'est ce qu'on va faire avec ce troll qui est en train de réfléchir, pas ce troll, ce géant qui est en train de réfléchir. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire de cette maison, si je la détruirais? Non, tu laisses mon manoir tranquille. Oula, on voit rien. Ah oui, forcément. Tu tombes bien! Viens ici! Ah, tu... Ah, ah, ah. Je me suis fait un peu exploser. Un tout petit peu, hein. Un tout petit peu explosé, on va dire. C'était pas prévu dans le contrat! Mais alors, vraiment pas. Je sais pas où est-ce que je vais retomber, mais ça craint. Et vous avez vu? Il faut vraiment que je fasse de l'enchantement. Pour avoir les dégâts de feu et tout ça diminuer, parce que... C'est beaucoup trop risqué. On va se remettre sans le mode ici pour bien voir. Parce que la nuit ça craint un petit peu au fait. C'est ça le problème. Me dites pas que... Non ça va. J'ai eu peur pendant un moment que j'aurais dû tout recommencer. On va se préparer déjà. On va prendre notre arme. Hop. Et... On fait à pied. Non on va attendre. On va attendre un petit peu qu'il fasse un peu meilleur. Parce que c'est pas que ça craint, mais ça craint.
Et voilà, on va faire jusque là, comme ça de la nuit. Ça va aller. Viens par ici maintenant le dragon. Si il va être encore là, sûrement on va se le faire en 2-3 mouvements. Vous avez vu comment mon armure n'a pas résisté? Putain, j'aurais cru que ça aurait pu résister. En même temps, je suis en difficulté difficile maintenant. Ça va être très chaud, je sens. Mais on va bien trouver un moyen de s'en sortir avec ça. Et juste après que je vous ai montré cette maison et toutes les possibilités qu'il y a, on s'attaque à la quête principale, comme j'ai dit, et récolter des mots de dragon. Ça va vraiment être ça l'objectif principal de cette session. Vas-y, viens. Où est-ce qu'il est? Tac, 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 tac. Prendre le cri, prendre le cri. On va prendre... cri. Où est-ce qu'il est? Marque mortelle. Où est-ce qu'il est? Où t'es? Où t'es, saloperie? Non. Prends son soin pour être sûr. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, je pense. Ouais, il est là, il est là. Tac, 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 tac. On va s'en occuper de toi. Viens ici, toi! Viens montrer que t'as un dragon! Loin de moi, quand même. Mais viens me montrer que t'as un dragon. Je serais rien à faire s'il m'attaque de là. Il est où? Il est où? Il est là. Descends! Descends, je te dis! Il me fait chier, ce dragon! Descends ici. Ça sert à rien. Aïe, aïe. Ah, c'est chaud. Je sais pas si je vais savoir... En fait, c'est la quête des sombrages qui était beaucoup trop facile. Attendez, je sens que ça va être... On va peut-être m'en vouloir de ce que je vais faire, mais... normal pour l'instant. Limite, quand j'aurai une armure enchantée et tout ça, je pourrais me permettre de... Regardez tous les dégâts que je peux prendre. Aïe, 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 aïe. Ah, un truc que j'ai oublié aussi. FOV. 80. Voilà. Je suis avec le mode, c'est ça? Voilà, j'étais avec le mode. Où est-ce qu'il est? Il est en train de perdre des vies. Ça m'arrange. Caché! Je suis caché, mon gros! Monte-toi! Monte-toi, 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 viens ici. T'as pas envie de te poser? Non, il a pas envie. J'en tirerai rien, j'en tirerai rien. Touche, ça touche. On va s'occuper de lui très rapidement. Parce que c'est pas ça que je voulais faire. Mais ce dragon à chaque fois il m'ennuyait. Quand j'ai installé les mods et tout ça, il a fait le même. Il arrêtait pas m'ennuyer. J'avais rien à faire sans qu'il y ait un dragon qui vient m'empêcher de continuer. Allez, 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 touche, touche, touche. Ça touche? Ça touche. Encore une flèche. Ah, ça touche pas. Descends de là. Descends. Tu t'éloignes pas, tu viens ici. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est moi qui va venir à toi. Faut pas qu'il se barre, faut pas qu'il se barre. On va utiliser peut-être un petit creep pour justement pas qu'il se barre. On va utiliser. J'ai ralenti quelque part. Je vais essayer de. Merde, j'ai une level 2. J'aurais dû attendre. Avec le Dovahkiin. Le Dovahkiin est là. Qu'est-ce que tu crois? Viens ici, mon petit dragon. Non. Enfoiré. J'ai réussi à te toucher quand même. Et tu vas mourir petit à petit. Tu t'es déposé. Jamais t'aurais dû faire cette erreur. Yo. Enchaînement total. T'es mort. Oh. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pu buter un dragon. Ça fait plaisir. Donne-moi ce que t'as. Des flèches d'acier. De la métisse. Ton or. Elle reste. On s'en fout. Merci bien. Merci, bonjour, au revoir. Moi, tout ce que je voulais, c'était montrer ma future maison. Merci, donne-moi ton âme. C'est gentil. Et voici le manoir de l'enfant dragon. C'est pour ça qu'il voulait. Bute-moi et tu auras cette maison. C'était l'ancienne maison du dragon, voilà. Et vous allez pouvoir voir. Ça y est, je rentre dans ma maison. Je rentre chez moi, enfin. Il était temps. Que l'enfant de dragon et sa demeure. Et je vais vous la présenter tout de suite. Il y a certains trucs que je vais vous expliquer. Vous allez vous dire, ah, c'est une... tu vas tricher, etc., etc. Mais non, 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 non. Je vais être très clair dès le début. On peut voir que rien n'est fermé. Il y a un laboratoire d'alchimie, très, très chimique. On a
Un petit dragon que j'ai buté et que j'ai emmené ici. Avec un hôtel d'enchantement qui est totalement stylé comparé aux autres. Tous les trucs que vous allez pouvoir voir, je vais pas les prendre. J'ai toutes des armures pour des coffres pour les différentes armures, dagues, arcs. C'est bien fait, c'est pas moi qui a fait, c'est avec le mod, c'est vraiment bien fait. Un petit établi, je peux forger maintenant ici. Regardez, tous les lingots, tous les pots, tous les... Tout, c'est vraiment faire. La forge de ciel avec le dragon qui crache de la lumière. C'est vraiment stylé. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ici? Un petit coin pour s'asseoir et tout ça. Ça va les gens? Vous savez quoi? Toi. Alors. Je vais te dire, c'est où? Comment je peux te dire que c'est ici ta maison? Plus. Non. Résidence. Oui. Déterminé. Tu habites ici. Et tu restes ici. Je serai chez moi si vous... Ouais, vas-y, elle va faire sa vie. Car j'ai au pareil. Je vais pas travailler, mais c'est ta maison ici maintenant. Tu habites ici. Déterminé. Si quelqu'un essaie de... Ouais, Carjo. Tous les trucs ici, je vais essayer, ce sera pour décor. Et j'ai... Nous verrons bien. On va d'abord continuer le reste. Tous les petits coffres qui vont me servir. Tout ça pour placer les armes. Et c'est ici qu'on va rentrer dans le truc. Que vous allez dire, ah, tu vas cheat. Ah, c'est pas légal qu'il y a ça, etc, etc. Non, je vais vous expliquer. Ici, il y a tous les hôtels d'enchantement. Mais tous, hein. Il n'en manque pas un seul. Pas un seul. Mais jamais, jamais, je vais les utiliser. Ils vont être là pourquoi? Pour décorer. C'est tout. Je vais jamais les utiliser. C'est comme certains trucs que vous allez encore pouvoir voir dans ce manoir. Je vais jamais les utiliser. Ce sera juste pour le décor. Je vais m'installer ici. Je vais peut-être, c'est limite à la fin de session, déposer certains trucs de 12 brises, mais sinon j'ai rien utilisé. Avec tous les animaux que j'ai pu chasser. Avec une statue de Dibel que je vais pas prendre. J'ai tout vraiment laissé. Malheureusement, j'ai des pierres. Mais bon, je suis à Dovahking et je dors avec un crâne de dragon au-dessus de ma tête. Si je mets ma tête, ça peut faire un oreiller hein, peut-être. Hein. Si je mets ma tête dedans, bien dormir. Enfin, je sais pas. Ça se peut. Ça c'était pour la chambre. Et je vais vous montrer un endroit qui est tellement grand. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait c'est immense. Faites attention. Ok, t'as Carjo. Carjo. Oui, il fait. C'est devenu un bûcheron, Carjo. Tu fais comme tu veux. Il vit maintenant sa vie, tranquille. Et l'autre, elle a pas bougé, je pense. Bah, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de rester comme un poteau, elle fait ce qu'elle veut. Donc qu'elle fout pas le bordel dans le manoir. C'est principal. Et on descend ici déjà, c'est juste la caisse avec tous les trucs de... Ah oui, la poignée. Ah ma gueule. Désolé. Wow. J'avais oublié ça. Le truc qui se lève. Comment on va pouvoir voir et... Boum. C'est tellement grand. Avec tout plein de mannequins. Où ce que je vais pouvoir mettre tellement d'armure si je voudrais. Avec les statues de différents... dieux. C'est vraiment ça. Et ici, ça aussi ça va faire polémique, mais non, je vais être clair tout de suite. Il y a toutes les pierres, mais alors vraiment toutes. Que ce soit de la tronac, de l'ombre, du serpent, de l'apprenti, etc, etc. Mais je ne m'autoriserai pas à les utiliser, seulement à une condition. Et que je trouve ça que c'est logique, il n'y a pas de souci pour ça, vous me direz, mais je pense pas qu'il y aura de souci. Que je n'ai le droit que d'utiliser les pierres. Qu'à condition que j'ai déjà découvert les autres, que j'ai découvert dans un lieu normal. Je m'explique, par exemple, tout ce qui est voleur, guerrier et mage, j'ai déjà ces pierres. Donc si je viens ici, que je me dis, bon, je vais prendre la bénédiction du mage, je peux me le permettre. Mais par exemple, je ne peux pas me permettre de prendre la bénédiction de l'ombre si je ne l'ai pas trouvé au préalable. Comme ça, je trouve qu'on est un peu... elles sont là, mais je ne peux pas les utiliser, mais seulement à une certaine condition. Vous me direz, mais je trouve ça que ça passe quoi. Maintenant que je vous ai montré ça, on va aller enfin. Attendez. Non, je vais vous faire une petite coupure. Je vais déposer toutes les armes justement qui me servent à rien parce que c'est pas que je suis lourd, mais je suis lourd quand même. Et puis on va surprendre. A tout de suite. Voilà, j'ai déposé tout mon bordel. Car je m'en suis suivi. Il me suivait pas pendant un moment, je sais pas pourquoi. Je suis beaucoup moins lourd. Largement même. J'étais pas de compétence à mettre. J'avais pas vu. On va mettre en magie. Boum. Et on va mettre son point en rien du tout, on va attendre. Ah si. Je sais en quoi mettre.
Non. On va le mettre en enchantement justement. Comme j'ai dit, maintenant j'allais commencer l'enchantement. Donc, bam. La peau sera plus fort. Ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir enfin faire les quêtes. Le mur d'Alduin. Ça fait longtemps que je devais le faire. Et on va le faire ici tranquillement. Le petit mur d'Alduin. J'ai pas encore été là, donc je peux partir à partir de où? Non plus. Je peux partir de la mine de gauche? Ouais. Let's go alors. Wouh! Il t'a l'air tout petit, toi. Tu m'as l'air tout petit. Je suis avec le mode ou pas? Non, maintenant je suis avec le mode. Voilà. Ça donne mieux. En espérant qu'il fasse pas nuit. Si ça fait, s'il fait nuit, il faudra que j'enlève. Et que je fasse avancer le temps parce que. Avec le mode, c'est bien le jour, mais la nuit, c'est trop sombre en fait pour qu'on puisse voir quelque chose. C'est ça le désavantage qu'il y a avec ce mode, c'est que la nuit, on n'y voit quasi rien. C'est un peu dommage. Donc, oh, on est le jour, tant mieux. Crin d'ombre. Il a mon petit crin d'ombre. Alors, chevauche. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas pensé, il faudra que... Pourquoi t'es stressé ainsi? Faudra que j'achète un autre cheval justement pour Carjo. Et que je l'assigne. Comme ça, Carjo, il aura son propre cheval personnel. Et il devra plus me suivre à patte. Ou alors voler un autre cheval, il devra plus. Parce qu'avec le mode justement pour les compagnons, s'ils ont pas de cheval pour eux, ça se peut que s'ils en voient un en passant, ils le prennent et ils le volent. Là non par exemple. En même temps il n'y en avait pas tout près. J'étais pas à côté du Nikiri en même temps, c'est un peu normal. Je suis vraiment content en tout cas de reprendre ce Skyrim. Ça fait trop longtemps pour moi en tout cas que j'avais fait une session. Et là je vais essayer de faire quand même une bonne session justement pour me faire plaisir un petit peu. Et pour vous faire plaisir aussi, je vais essayer d'être le plus entertainment possible, comme on pourrait dire. De justement pour pas que vous ennuyez, que vous passez un bon moment aussi avec moi. Comme je passais sûrement un bon moment sur le jeu. Et là je suis perdu. Non, il y a un pont là. Ouais non, rien à foutre des ponts. Bug cheval. Et fais-moi passer par là. Te noie pas surtout hein. Aïe, aïe. Est-ce que je suis chevauché? Rien non. Je vois rien. Et bon, je vois. Et bon, c'est réglé. On voyait plus pendant un moment. Tu m'as fait peur quand même hein. Me fais plus aussi peur quand même. Ah là là. Où est-ce qu'il est le truc pour aller sur le mur d'Alduin? Qu'on s'en occupe un tout petit peu quand même d'Alduin. Parce que là, c'est pas qu'il est chiant Alduin, mais c'est tout comme. Ah bah on y est. Vers 4. Ouais, c'est ça. Ah, je pense que j'avais entendu un dragon. Non, on va pas s'en occuper du dragon. Jamais c'est qu'il y a les deux musiques qui résonnent. Je ferai sûrement un chargement. Un sauvegarde chargement rapide parce que. Disons que c'est un peu buggé le son. Attendez. Regarde. On prend. J'espère que ça le fasse plus. Il y en a encore une autre qui se lance quand même. Hein. Et la musique du jeu m'a l'air très forte. On va peut-être se diminuer un tout petit peu le son de la musique. Parce que je le trouve horriblement fort. Voilà. C'est déjà un peu mieux, je trouve. On y est. Alors. Sans les mods. On y voit un tout petit peu mieux. Enfin, par exemple, dans les cavernes et tout ça, je vais peut-être pas hésiter. C'est tout le temps les. Comment dire. Le mode pour le NB Series pour le graphique. Vas-y, Carjo. Bien joué, Carjo. T'es bon. T'es un beau. Et pour l'instant, je vais rester en normal, je vais pas encore me compliquer la vie en difficile. C'est pas que je veux pas avoir. Je suis pas là pour que le jeu soit horriblement dur. Pas qu'il soit totalement facile, mais je veux pas qu'il soit horriblement difficile quoi. Il manque pas quelqu'un là. Où est-ce qu'ils sont Esbern et. Tel machin. Et ici, c'est quoi? Il y a des pierres. Ça sera quoi ces pierres? On va les tourner. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je comprends pas là. Là j'ai du mal à comprendre. Si je mets trois les mêmes. Voilà qui est... Ah, oui, c'est une construction à Gaviroise, ah. Ils sont là.